Avec le retrait progressif des mesures de restrictions sanitaires, la saison estivale 2021 qui se dessine devrait soulager les professionnels du tourisme. Plébiscité pour l'été 2020, la moyenne montagne devrait l'être encore cette année pour les grandes vacances qui approchent. Une destination qui offre un profil séduisant pour des vacanciers en recherche d'un séjour en plein air et des hébergements permettant une distanciation sociale naturelle. Au Mont-Jura, les professionnels du tourisme sont confiants, soucieux cependant de profiter de la hausse de 20% de la fréquentation enregistrée en 2020. On a eu beaucoup de primo-campeurs, des personnes qui étaient habituées au littoral, qui étaient habituées aux gros établissements. Et de plus en plus, ces personnes sont en recherche de petites structures indépendantes, respectueuses de l'environnement, avec des projets durables, des projets nature, à la montagne. C'est ce qu'on appelle le slow tourisme, mais je pense qu'on a réussi à gagner une nouvelle clientèle. Et l'objectif, c'est de pérenniser cette clientèle en leur montrant qu'en France, on y est bien. J'ai des gens du secteur qui sont venus découvrir le site de Montières, qui ont fait ici du ski pendant 20 ans et puis que finalement, ils se sont rendus compte que Montières l'été, c'était tout aussi joli et tout aussi sympa. Ils n'allaient pas forcément dans ces destinations-là à cette période-là et on s'est rendu compte de ça. Les villages de Mijou et Lélec se situent en haut de la vallée de la Valserine, le col de la Faucille, les villages de Chaiserie et Montières ont anticipé cette saison estivale tout en restant prudents. Au col de la Faucille, l'Office du tourisme a renseigné plus de 6000 personnes l'année dernière, alors qu'elle n'avait enregistré que 600 contacts pendant la saison estivale 2019. Ce qu'on a appris depuis la crise du Covid, c'est que le tourisme était vraiment le moteur de développement du village. Enfin, on le savait, mais ça a été vraiment révélateur. Et dans tout ce malheur, je pense qu'il va y avoir des réflexions qui vont amener à un développement positif de la station. Si on a eu du succès jusqu'à présent, c'est principalement parce qu'on trouve des bonnes choses ici, on trouve y a du potentiel. Maintenant, pour que ça perdure dans le temps, oui, il faut constamment, pas juste maintenant, pas juste pendant une année, mais 5 ans, 10 ans, 15 ans, il faut constamment se remettre en question et se poser les bonnes questions. Est-ce que ça, c'est ce que attend le client? Est-ce qu'on est en train de les satisfaire? Est-ce qu'ils vont revenir? Même si les chiffres des réservations ne sont pas encore significatifs, l'été 2021 sera forcément meilleur que le précédent. Et en privilégiant une destination à portée de main, les vacanciers permettront aux professionnels du tourisme de la vallée de retrouver l'activité soutenue tant attendue, tout en bénéficiant d'un cadre naturel préservé.